Tu es le véritable Dieu puissant, le Père, le Dieu qui nous aime, Seigneur, oh Dieu. Tu es tellement grand, tu es tellement riche, tu es tellement, Seigneur, notre Dieu. Oh Père, je me réjouis d'avoir cette richesse en toi, la richesse de te connaître, oh Dieu. Seigneur, je te remercie pour ce temps et je crois qu'une vie sera bénie, une vie, Seigneur, oh Dieu, sera, oh Dieu de gloire, oh reconstruite, Seigneur, parce que tu es Dieu, Seigneur. Je bénis ton nom, alléluia. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ravis d'être là encore. Nous sommes dans la joie de se présenter devant vous pour apporter la parole de vie. Et Dieu nous mandate, Dieu nous fait grâce encore de pouvoir parler de cette parole qui fait tant de bien aux vies. Alléluia. J'aimerais dire ceci, commencer par des questions. Le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Qu'as-tu dit? Est-ce que la relation avec le Seigneur, cette relation était basée sur une imagination ou sur des faits? Ou est-ce que tu as eu à percevoir dans ton esprit où est-ce que tu iras avec le Seigneur? J'ai l'impression que beaucoup de personnes ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et ils ne savent même pas où aller. Ils ne connaissent pas les enjeux de leur marche avec Dieu. Ils ne connaissent pas où le Seigneur les emmène. Il est dangereux d'être dans une relation si on ne connaît pas là où la relation nous emmène. Il est très dangereux d'être dans un foyer où on ne sait pas les objectifs qu'on peut atteindre dans ce foyer. J'aimerais dire ceci, tout dans la vie a une mission. Tout ce que nous faisons, une relation a une mission. Un mariage a une mission. Une vie avec le Seigneur a un but plutôt, je dirais. Tout ce que nous entretenons dans la vie a un but. Et si on ne saisit pas le but d'une relation, on perd même l'objectif de cette relation. Vous ne pouvez pas, autant que personne, marcher dans une relation sans connaître l'objectif, même le but à atteindre dans cette relation. Autant que personne, nous devons savoir c'est que tout ce que nous avons comme relation, tout ce que nous avons comme projet, il doit avoir un but. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler sur les enjeux. Les enjeux d'une relation, les enjeux dans une intimité, les enjeux dans un mariage, les enjeux d'être un parent. Parce que les gens pensent qu'il suffit d'être un parent, c'est tout. Mais non, autant que parent, il y a des enjeux à mettre, il y a des choses qu'on doit mettre pour éduquer nos enfants. Il y a une partie, un investissement que nous devons mettre. Par la grâce de Dieu, je vous invite à lire un texte. Nous allons lire un texte dans le livre de 1 Corinthiens 9, le verset 26. La Bible dit ceci. « Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Alors c'est le cri de l'apôtre Paul. Il est en train de dire quelque chose de fort. Il dit simplement que moi donc je cours, donc il parle de sa marche avec le Seigneur. Il dit dans cette marche, dans cette relation avec le Seigneur, je considère les choses à un point que vous n'imaginez pas. Je considère les choses plus
même ce que vous me voyez faire. Ça veut dire que ma manière d'agir, ma manière de faire des choses dépasse tellement mon entendement que je suis obligée de m'impliquer. Waouh! J'aimerais dire ceci, c'est que nous échouons notre vie chrétienne parce que nous n'avons pas compris l'enjeu de la vie chrétienne. Nous échouons nos mariages, comme je le disais, parce que nous n'avons pas compris les enjeux. Et si l'apôtre Paul est en train de dire quelque chose de fort, il dit que j'ai saisi l'enjeu. J'ai saisi ce que j'attends à la fin de cette vie chrétienne. J'ai saisi ce que je veux obtenir avec Christ. Ce que je veux obtenir avec Christ est tellement grand que mon corps, je le traite dur. Vous imaginez une personne qui fait souffrir son corps. On a entendu des mères qui maltraitent des enfants, des belles-mères qui maltraitent des enfants, des maris qui maltraitent leurs femmes, des femmes qui maltraitent leurs maris. Mais là, c'est une parole qui dépasse notre raisonnement parce que la parole dit que Paul est en train de maltraiter son corps parce que l'objectif à atteindre est plus grand que son corps. My God! Ce que Paul veut obtenir à la fin de sa vie avec le Seigneur dépasse tellement l'importance de son corps. Il ne donne même plus. Ça veut dire que ce qu'il attend est plus grand que l'état de son corps. Ce qu'il attend est plus fort que l'état de son corps. Donc il dit, je traite durement mon corps. Il dit, je cours d'abord. Quand il court, ça veut dire que quand il s'implique dans une situation, il met son corps, son âme, son esprit dedans. Il n'est pas à moitié. J'ai compris que l'enjeu de la vie chrétienne, nous n'atteignons pas l'excellence parce que nous ne considérons pas ce que nous voulons atteindre à la fin. Ce que nous voulons atteindre à la fin est plus grand que notre chair, est plus grand que notre personne, est plus grand que les orgueils, les titres qu'on peut avoir. Ce que nous voulons atteindre à la fin, c'est de rencontrer Christ et d'être dans son séjour, d'être enlevé pour nous encore à cette époque, de voir le jour du Seigneur. Et pour cela, nous devons comprendre l'enjeu. Je voudrais te dire que l'enjeu de ta marche avec chrétien ne se trouve pas au début de ta marche, ni au milieu de ta marche, mais à la fin de ta marche. Cela dit qu'il faut que tu considères quel est le prix que tu aimerais obtenir à la fin. Si ce que tu veux obtenir à la fin est plus grand que ton corps, est plus grand que ton esprit, alors tu devais t'investir plus que ton corps, tu dois t'investir plus que ton raisonnement, tu dois t'investir plus que tout ce qui peut apparaître devant toi. Je comprends que l'enjeu dépense. Vous voyez, quand les gens jouent au poker, ils mettent l'argent, ils mettent les enjeux. Et quand ils mettent les enjeux, l'enjeu que la personne met définit où la personne va. My God! Le type d'investissement que tu mets dans ta marche avec le Seigneur te montre là où tu vas avec le Seigneur. Le type de ton investissement, ton enjeu que tu fais montre qu'est-ce que tu vas atteindre avec le Seigneur. Si tu es avec le Seigneur à peu près, ça veut dire que tu n'atteindras pas grand chose à la fin. Mais si tu mets tout de toi, si tu mets, tu pouvais avoir comme gloire, comme capacité, comme potentiel, je ne dis pas de les balayer, non, c'est pas mon message. Ça veut dire que si tu assujettis ta volonté, si tu prends ta volonté, my God, tu le mets comme enjeu sur la table du Seigneur, si tu prends ton savoir, tu le mets comme enjeu sur la table du Seigneur, si tu prends tout ce qui est de toi, tu le mets comme enjeu sur la table du Seigneur, assurément à la fin tu récolteras mieux que ce que tu as semé. Ce que nous devons savoir, c'est que l'enjeu, l'investissement que nous mettons aujourd'hui doit nous montrer l'importance de ce que nous irons récolter plus tard. Je m'explique pour dire que ta vie chrétienne ne doit pas être une vie chrétienne où aujourd'hui tu es bien avec Dieu, demain tu n'es pas bien. Que Dieu te donne, que Dieu ne te donne pas, tu dois t'investir. Tu dois mettre l'enjeu, ça veut dire que tu as déjà mis. Imaginez quelque chose que l'enjeu qu'on met, on vient plus retirer, my God. Quand on a mis l'enjeu, on ne vient plus encore pour dire que je retire, je me suis trompé. Non, quand on a mis l'enjeu sur quelque chose, on n'a plus le temps de se plaindre, le temps de dire que je m'étais trompé.
trompé, ce n'était pas la somme, non. Je voudrais te dire que ce que tu mets comme enjeu dans ta vie chrétienne, la manière dont tu gères ta vie chrétienne, la manière dont tu t'investis dans ta relation avec Dieu, la manière dont tu fais les choses avec Dieu, c'est ça que tu vas récolter. Mais je voudrais dire ceci, si tu mets l'enjeu, toute ta personne dedans, si tu t'investis corps, âme et esprit, si tu te donnes sans mesure, à la fin c'est le Seigneur que tu récoltes. Paul il a dit que je ne veux pas, après avoir prêché aux autres, que moi-même je passe à côté, my God. Ça veut dire que lui en tant que personne, il avait compris une vérité, c'est que cet enjeu, on ne rentre pas avec les pieds, on rentre partout, on rentre, tout le corps doit rentrer. Dans cette histoire avec Dieu, ce n'est pas seulement de parler aux autres, changer. Moi-même, je dois être aussi l'auteur du changement. Moi-même, je dois être aussi la personne qui porte Christ. C'est-à-dire que moi, autant que personne dans ma relation avec Dieu, j'investis tout. Soit je perds, soit je gagne. Je n'ai pas de demi-mesure, je n'ai pas une partie. Ananias et Saphir, dans le livre de Actes 5, ont été morts. Pourquoi ? Parce que Ananias et Saphir n'avaient pas compris l'enjeu de cette époque, qu'il fallait se donner entièrement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris, ils ont vendu leur parcelle, mais ils ont gardé un peu. Ils n'avaient pas compris dans cet enjeu avec Christ, on rentre à 100%, on ne rentre pas en temps partiel. Je suis venu te dire que Christ, ce n'est pas l'histoire de temps partiel. Christ, ce n'est pas l'histoire de je travaille aujourd'hui, demain je vais chez les marabouts, demain je vais chez les... Jésus, c'est soit Jésus, soit rien. Tu ne peux pas avoir une vie chrétienne où aujourd'hui tu as Christ, demain tu as les marabouts, après demain tu as les sorciers, après là-bas tu as les magiciens. Non, c'est soit Jésus, soit rien du tout. Si tu veux marcher avec Jésus, c'est tout de toi qui rentre en Christ. L'enjeu demande tout ton corps, my God. L'enjeu de cet investissement de ta marche chrétienne demande à ce que tu t'investisses entièrement, que tu te donnes corps, âme et esprit, que tu ne regardes pas ceci, cela, non, que tu te donnes. Ananias a perdu sa vie. Sa femme Saphira aussi a perdu sa vie parce qu'ils avaient minimisé l'enjeu. Je viens dire à un peuple, je viens dire à une personne que l'enjeu de cette marche chrétienne n'est pas à minimiser. Dans notre foi chrétienne, on ne minimise pas les choses, on ne fait pas les choses à demi-mesure, on fait les choses pleinement avec tout notre cœur, on s'investit, c'est l'enjeu. L'enjeu c'est tout notre corps, l'enjeu c'est l'être entier, c'est tout de nous, ce n'est pas une partie de nous, c'est tout de nous ou rien. Si on veut être rien, on reste dehors. Mais ici, je voudrais dire que comme le tabernacle a changé, les lois aussi ont changé. Au tabernacle de Moïse, il y avait trois états. Mais dans le tabernacle de David, qui est le tabernacle de Christ, on rentre, il n'y a plus de lieu saint ni de lieu très saint. Et il y a seulement une pièce. Nous rentrons dans ce lieu, pourquoi? Parce que l'enjeu aussi a changé. Je voudrais te dire que tu ne dois plus vivre ta vie chrétienne aujourd'hui bien. Non, que tu es des enfants, que tu n'es pas des enfants, tu t'es déjà investi. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de retour en arrière possible. Je viens te dire qu'il n'y a pas de demi-mesure à mettre. Tu dois tout mettre sur la table avec le Seigneur, dans ta relation avec Dieu. Et pareil dans un mariage, on ne se marie pas pour laisser une partie de nous à la maison dans sa famille. Non, on se marie en investissant à 100%. On se met dans un couple en se donnant entièrement et non à donner une partie, à laisser une partie. L'autre partie, tu le laisses pour qui? Qui va exploiter l'autre partie? Tout est exploité dans le mariage et non tout est exploité dehors. Et aussi autant que parent, tu dois faire la même chose dans l'éducation de tes enfants. C'est tout de toi et non une partie de toi. Si Dieu t'a donné deux enfants, tu gardes l'autre partie pour quel enfant? Tu n'as que ces deux enfants, donc investis-toi. Tu dois, autant que personne, te faire les choses. Quand tu fais les choses, souviens-toi de l'enjeu. L'enjeu est à 100%. Paul, il a dit, je cours. Il dit, je cours. Il dit, quand je frappe, mais c'est pas comme si je jouais. C'est pas comme si j'étais une personne qui prenait son plaisir à jouer. Non, je frappe, mais pas comme battant l'air. Parce qu'une personne qui bat de l'air ne donne pas toute sa force. Paul
Paul, il sait que même avec l'air, on met son investissement, on met toute sa force. Vous imaginez, quand je frappe l'air, ça veut dire que je mets mon poids comme si je frappais une personne. Vous imaginez cette mentalité? Alors, je suis venu nous dire encore par la grâce de Dieu que l'enjeu dans notre marche chrétienne, c'est l'enjeu de la vie ou de la mort. C'est l'enjeu où à la fin, soit on récolte la vie, soit on récolte la mort. Et si tu ne veux pas récolter à la mort à la fin, il faut que tu travailles de sorte que dans ta relation avec Dieu, que tu sois à 100%, que ton enjeu, que ton investissement, que ta participation soit à 100% et non à 0,5%. Il est temps où ton cœur, ta façon de faire avec le Seigneur, ta façon de marcher avec le Seigneur doit être une façon de faire à 100% et non à 0,5%. J'aspire dans mon cœur d'être dans une génération où il y a tellement des amoureux de Dieu, où la présence de Dieu, que chacun met tellement du sien, que quand on arrive dans un culte comme ça, on se rend compte que le culte est rempli parce que tous on s'est mis du 100% dans notre enjeu, dans la relation avec le Seigneur, et non des demi-mesures et non des demi-portions. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour mettre l'autre partie. C'est notre Créateur, c'est lui qui nous a créés. Et s'il y a un investissement à faire, on se donne à 100%. Oh mon Dieu. On va encore relire ce texte parce que ce texte est fort. Il dit ceci: moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Beaucoup de gens sont à l'aventure avec le Seigneur. Beaucoup de gens ont cette aventure. La vie chrétienne est devenue leur aventure. Aujourd'hui, oh, pendant que tout va bien, je peux prier. Non, pendant que tout va mal plutôt, je prie, je viens à l'église, je cherche la faveur de Dieu. Ça, c'est les aventuriers. Les aventuriers, ce sont des genres de personnes, on les voit quand ils sont en souffrance. Quand on les voit dans le bonheur, on ne les voit pas. Quand tu as un bon travail, tu oublies que Dieu existe. Quand tu as un bon mariage, tu oublies. Eh non, Dieu a dit prenez soin de vos maisons. Le même Dieu qui te dit de prendre soin de ta maison, c'est le même Dieu qui dit que l'Éternel est jaloux. Il s'appelle du nom de jaloux. Dieu ne veut pas qu'une personne prenne une place supérieure à sa place. Tu ne peux pas donner le trône de Dieu à un homme. Tu ne peux pas prendre là où Dieu siège et donner à ton fils de s'asseoir. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a tellement des aventuriers parce que les aventuriers ne connaissent pas l'enjeu. L'enjeu d'une personne, une personne qui a saisi l'enjeu, la personne ne regarde pas la saison. Qu'on soit en hiver, la personne est bien posée. Il sait que j'ai déjà mis du nid à l'intérieur. Je ne fais plus marche arrière. Quand on soit à l'automne, quand on soit au printemps, quand on soit pendant l'été, la personne reste constante. Une personne qui reste constante, c'est une personne qui a saisi l'enjeu et qui s'investit à 100%. Si tu n'as pas saisi l'enjeu, tu ne pourras jamais t'investir à 100%. Si tu n'as pas saisi l'enjeu, tu seras un aventurier. Paul, il a dit, je ne cours pas comme à l'aventure. Il a dit, il a compris que le Dieu que j'ai tant maltraité, le Dieu que j'ai participé, même quand on tuait Étienne, ce Dieu redoutable, maintenant que je fais partir de son camp, je ne joue pas. Vous savez pourquoi beaucoup des enfants de Dieu échouent? Parce qu'ils pensent que la vie chrétienne, c'est de l'aventure. La vie chrétienne, ce n'est pas de l'aventure. On ne vient pas prier par aventure. On ne vient pas prier seulement pour voir la main de Dieu. On vient prier parce qu'on sait qu'investir corps, âme et esprit à l'intérieur. Corps, âme et esprit à l'intérieur. J'aimerais révolutionner nos pensées, révolutionner notre façon de marcher avec Dieu, en sachant que notre marche avec le Seigneur, c'est une histoire de 100% avec Dieu. Nous voulons d'un Jésus à 100%, pas un Jésus d'à peu près. Ça ne nous intéresse pas d'être en aventure avec Dieu. Avoir l'aventure pour hériter l'enfer, pour récolter l'enfer à la fin. Pourquoi? Pourquoi, s'il faut vivre cette aventure, pourquoi ne pas commencer l'enfer ici sur la terre et de continuer l'enfer dans l'éternité? Non, bien-aimés, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous vivons sur la terre. Nous vivons ici, pas comme à l'aventure. Quand on parle de l'aventure, ce sont des gens qui ont préféré d'abord, qui disent que non, j'ai encore l'âge, j'ai encore le temps, je dois encore jouir des plaisirs de la vie. Qu'est-ce que t'en sais de ce qui arrivera demain? Qu'est-ce que t'en sais si tu n'avais pas 50 ans de vie? Qu'est-ce que t'en sais du nombre de tes jours? Tu n'en sais absolument rien du tout. Et quand tu n'en sais absolument rien du tout, ne vis pas de l'aventure avec Dieu. Vous savez, les aventuriers,
ils vivent Dieu. Dieu aussi est avec eux à temps partiel. Dieu aussi est avec eux à temps partiel. C'est ce qu'ils ignorent. Dieu, quand tu... tu lui demandes des choses, il te donne. Parce que Dieu, il est bon. C'est sa nature qui est comme ça, il te donne. Mais quand tu tournes le dos, Dieu aussi s'occupe à ceux qui s'investissent à 100%. C'est ce que les gens ignorent. Et quand tu reviens, mais c'est toi qui as perdu. Il faut savoir que Dieu ne perd jamais. L'Éternel ne perd jamais. C'est nous qui perdons. Donc, dans cet enjeu, tu sais, Dieu est Dieu. Que tu sois au ciel, que tu sois en enfer, tu ne changeras pas la nature de Dieu. Même si tu vas en enfer, ça ne l'empêchera pas d'être Dieu. Ça ne l'empêchera pas de recevoir la louange. Ça ne l'empêchera pas de recevoir l'adoration. Donc, dans cette histoire, s'il y a un perdant, c'est nous, ce n'est pas Dieu. Donc, l'enjeu que nous devons mettre doit être conséquent, important. Nous devons nous investir parce que si on n'a pas compris notre enjeu, notre éternité passera de côté. Il a dit, pas comme à l'aventure, il a dit, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. J'aimerais nous dire ceci. Quand on a saisi l'enjeu d'une chose, j'aimerais ici, la personne est allée voir un sorcier parce que la personne avait besoin d'avoir un enfant. Et le sorcier lui a dit de faire telles incantations, d'aller à la mer et de crier, de demander telle chose et de voir telle chose. La personne a respecté à la lettre ce que le marabout ou le féticheur avait dit. Mais quand à la fin, le sorcier lui a dit « tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça », la personne a respecté tout ce que le féticheur avait dit. Mais à la fin, le problème, c'est quoi? C'est que ce que la personne attendait comme une bénédiction est devenu une malédiction. La chose qu'elle allait, qu'elle était partie chercher, cette chose a commencé à la détruire elle, a commencé à détruire sa personne, à ôter la paix, à détruire tout ce qu'elle avait comme patrimoine, comme richesse. J'aimerais dire ceci, quand c'est le sorcier qui vous demande de respecter les principes, vous êtes les premiers à respecter les principes. Quand c'est les gens du science occulte, quand on vous demande des sacrifices, vous êtes les premiers à faire. Mais quand le Seigneur, le Dieu qui vous a créé pour votre bien et pour que vous soyez des personnes qui verront, qui résideront dans sa présence, vous êtes des incapables. Je n'ai jamais compris cette histoire. Comment on peut respecter les paroles d'un sorcier pour trouver une réponse? Et pourquoi ne pas respecter les paroles d'un Dieu créateur qui te donnera une bénédiction sans malheur, sans problème? Le sorcier te donne tout ce que le diable t'offre. Il y a toujours un piège derrière. Toutes les propositions du diable, il y a toujours un plan caché derrière. Mais ce que les hommes ne savent pas, c'est que quand le diable leur propose quelque chose, ils disent oui, oh, c'est bien, c'est bien. Ce que tu dis, c'est bien. Quand le diable t'offre, derrière, il y a toujours un plan caché qui vient détruire. Donc, nous devons savoir une chose, c'est que quand on met l'enjeu dans notre marche avec le Seigneur, c'est pour avoir quelque chose qui n'a pas, hein, une bénédiction qui n'a pas de douleur, une bénédiction qui n'a pas de difficulté, une bénédiction qui est à 100%, là où le bonheur réside à 100%, là où la gloire de Dieu réside à 100%. Dieu ne nous donne pas des choses handicapées, Dieu nous donne des choses qui sont pures, des choses qui sont vraies, des choses qui sont extraordinaires au monde. Bon, Dieu n'est pas ton Dieu pour te donner des choses qui te feront et qui te rendra malheureux. Mais Dieu est ton Dieu pour que ton bonheur soit un bonheur parfait. Dieu veut que tu saisisses l'enjeu pour que dans cet enjeu-là, tu saisisses que si je respecte la part du contrat, ce que j'ai à obtenir est tellement grand. C'est pourquoi nous ne nous fions pas à une prédication que nous pouvons donner comme quoi que cela nous emmènera aussi au ciel. Non, nous traitons notre vie durement. Pourquoi? Parce que nous savons que l'enjeu dans notre marche chrétienne a une grande importance, que peu importe ce que nous pouvons faire, notre investissement, notre façon de l'aimer, notre façon de travailler avec lui, notre façon d'agir auprès de lui, notre façon de l'écouter, notre façon de l'adorer, il y a quelque chose de grand. Je vous parle de l'éternité. Je vous parle du retour du Seigneur.
Je vous parle que Jésus revient bientôt. Mais Jésus revient pour des gens qui ont saisi l'enjeu. Jésus revient, il revient pour prendre les gens qui ont saisi qu'il faut traiter dur son corps. Quand je parle de traiter dur son corps, tu es encore jeune, tu as les pulsions de la vie. Tu dis non, je ne livrerai pas mon corps hein, à telle, telle pratique. Pourquoi? Parce que tu estimes que ce corps, tu l'avais déjà mis comme enjeu sur la table du Seigneur. Et tu ne permets plus tout et n'importe quoi sur ce corps. Pourquoi? Parce que tu sais que ce que tu as déjà donné à Dieu, tu ne peux plus le reprendre. Donc l'enjeu est important. Notre façon de faire doit être, c'est-à-dire doit nous emmener à comprendre qu'on ne doit plus repartir en arrière. On n'a plus le temps de repartir. Jésus revient chercher les gens qui ont compris l'enjeu. Jésus, comme je disais, est venu chercher, et Jésus reviendra chercher les gens qui ont saisi l'enjeu. J'aimerais te dire que le prix, on ne donne jamais un prix au début d'un match. On ne donne jamais le prix au milieu d'un match. On ne donne jamais le prix avant de commencer un match. On ne donne pas le prix pendant l'entraînement. On donne le prix à la fin du match. Donc le prix de la vie chrétienne se trouve à la fin. À la fin de notre marche. À la fin de notre vie sur terre. À la fin si jamais le Seigneur revient, si nous sommes en vie. Ou avant notre, après notre mort. C'est là où on saisit le prix de notre vocation céleste. Je voudrais te dire simplement, c'est que ce que tu dois saisir, c'est que le prix que tu attends tant, c'est pas ici sur la terre, c'est pas autant que vivant que tu l'auras, c'est à la fin de ta vie que tu vas l'avoir. Donc, comme tu ne sais pas quand est-ce le combat ou la vie sur la terre sera finie, ne finis jamais, ne laisse jamais ton enjeu à moitié. Donne-toi à 100% dans ta relation avec le Seigneur. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Ou aie des œillères de l'esprit, comme on met sur les chevaux. Et les œillères, et ça va te permettre de quoi d'aller jusqu'à la fin, de ne pas écouter, de ne pas être perturbé, mais de saisir la fin. Parce que quand tu finiras ta mission, il y aura une récompense. Soit tu gagnes la vie, soit tu gagnes la mort. Ce que tu aspires tant dans le Seigneur, ce qui est plus grand que les bénédictions que tu auras sur la terre, ce qui est plus grand que toutes sortes de richesses que la terre peut te donner, il y a quelque chose à la fin de ta marche. Ne sois pas une personne qui a prêché aux gens, qui a chanté à la multitude, qui a intercédé pour des milliers de personnes, qui a imploré, qui a fait tant de bien aux gens et pour hériter l'enfer. Ne fais pas tant de bien et que ta finalité soit l'enfer. Fais du bien pour que ta finalité soit le ciel, que ça soit le royaume de Dieu. Prêche pour que la finalité soit le royaume de Dieu. Oh, fais des œuvres pour que la finalité de ta vie soit le royaume de Dieu. Saisis l'enjeu. L'enjeu de la vie éternelle et pas l'enjeu de l'enfer. Saisis l'enjeu. L'enjeu de la vie éternelle consiste à ce que tu te donnes entièrement au Seigneur, à ce que tu sois une personne entièrement consacrée, une personne qui s'est dédiée complètement à Dieu, une personne qui n'a pas son mot à dire, mais qui laisse Dieu avoir son mot à dire sur sa personne. Je suis venu en colère dire à une personne, ne perdez pas le temps. L'enjeu est plus important. Nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter, mais nous savons que si c'est la vie qu'un jour enfante ou si c'est la mort qu'un jour enfante, ce que nous voulons, c'est que nous avons pu offrir à Dieu notre être à 100% et non Jésus à 1000%. Nous voulons être des personnes qui donnent tout à Dieu, mais pas des gens qui jouent avec Dieu. C'est pourquoi je te prie, bien-aimé, je te prie, mon frère, ma soeur, à t'investir dans ta relation avec Dieu, à t'investir dans ta façon d'agir avec le Seigneur, à t'investir dans ta façon d'opérer avec le Seigneur, d'être une personne. Quand tu fais des choses avec Dieu, mais que tu le fasses vraiment. Quand tu agis avec Dieu, mais que tu sois une personne, excusez-moi, une personne à 100%. Le Seigneur cherche la qualité. Le monde cherche la poubelle. Le monde cherche des gens qui... Le monde est trompeur, vous savez. Le monde te dit, ah oui, excusez-moi, on veut de la différence. On veut des gens qui ont quelque chose à dire. J'aimerais te dire que même si tu as quelque chose à dire, que les gens t'ont acclamé, mais si la chose n'a rien à voir avec Dieu, c'est l'enfer que tu vas hériter. Donc, saisis l'enjeu. L'enjeu de ta vie,
saisi. Saisi l'enjeu pour savoir une chose, c'est que la manière de marcher jour après jour doit t'emmener à comprendre qu'est-ce que tu as envie de gagner à la fin de ta vie. Que tes décisions t'emmène à voir qu'est-ce que tu vas récolter à la fin. Ne pense pas seulement à ce que tu fais aujourd'hui, mais pense à chaque fois qu'est-ce que je vais récolter à la fin. Est-ce la vie, est-ce la mort? Le Seigneur te dit, je place devant toi la vie et la mort, je te conseille de choisir la vie. Alors aujourd'hui, avec cette option, avec cette pensée du Seigneur, je suis venu nous dire, choisissons la vie en offrant nos corps comme des sacrifices. La Bible dit dans le livre de Romains, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte. Mais vous voulez offrir à Dieu un culte, vous voulez un culte raisonnable. Vous voulez donner à Dieu toute la gloire qui lui est due. Ce que Dieu cherche, c'est que tu lui sois donné. Et non que tu donnes seulement les choses, mais que ton cœur, ton esprit, ton âme, ta façon d'agir soit complètement donnée à Dieu. Voilà le message que j'avais pour nous, les enjeux. L'enjeu de l'éternité ne se négocie pas. Quand on a saisi que cet enjeu, c'est pour Christ, on ne négocie pas, on ne mélange pas, on ne triche pas, on respecte l'enjeu qui doit rester pur dans sa façon d'être. On ne doit pas être une personne, quand il fait quelque chose, tu ramènes trop de mélanges. Non, parfois il y a des mélanges que le Seigneur n'aime pas. Dieu a détruit Sodome et Gomorre à cause des mélanges qui ne lui plaisaient pas. Dieu a ramené le déluge parce qu'il y avait des mélanges qui ne lui plaisaient pas. Donc il y a des mélanges qui ne plaisent pas à Dieu. Soyez des personnes qui offrent à Dieu leur corps, qui offrent à Dieu la totalité de leur être. S'il y a un enjeu à mettre, mettez-vous-même. Mettez-vous comme enjeu. Mettez-vous comme enjeu. Et c'est là qu'à la fin, on récoltera Christ. Tu veux être enlevé, tu veux voir Jésus. Tu parles tant du ciel, mais tu ne t'investis pas. Tu ne donnes pas ton corps. Tu proclames, oh Jésus revient, mais tout ton corps n'est pas donné. Tu dis tellement de choses, mais quand on voit ce que tu dis, Christ n'est pas à 100% dans ta vie. Avant de nous parler que Christ revient, investis-toi, mets-toi en enjeu sur la table du Seigneur. Et comme ça, lui-même, à la fin, il viendra et te prendra. L'enjeu n'est pas seulement d'avoir des milliers de chrétiens dans le monde. L'enjeu est de saisir le jour où le Seigneur reviendra et que nous aussi, qu'on parte avec lui. C'est ça qui est plus important. Ce qui a de l'importance, c'est être auprès de Jésus et non avoir parlé de Jésus. Beaucoup parleront de Jésus, resteront. Mais ceux qui ont compris l'enjeu, c'est ceux-là qui hériteront le royaume de Dieu. Alors, je t'invite à prier avec moi pendant un court instant. Et je prie que le Seigneur touche ton cœur là où tu es. Je prie que cette parole t'emmène à saisir l'enjeu de ta destinée avec Dieu. Seigneur, ma prière est que la personne qui écoutera cette prière, la personne qui écoutera, Seigneur, cet audio, cette vidéo, que Seigneur, tu révolutionnes ses pensées. Que tu l'emmènes à saisir que l'enjeu, Seigneur, c'est tellement important qu'il doit se donner entièrement. Il doit se donner comme Paul vient, il nous l'a expliqué. Mais Seigneur, pas comme à l'aventure. Nous ne voulons pas des aventuriers, Seigneur. Nous voulons des gens qui s'offrent totalement, Seigneur. Des gens qui offrent à Dieu un culte qui plaît à Dieu, un culte qui est à l'honneur de notre Dieu. Seigneur, touche mon frère, ma soeur qui prend la résolution de changer sa conception, de changer sa marche chrétienne. Et souviens-toi de toute personne, oh mon Dieu, mon roi, qui a compris, Seigneur, le fond de cette pensée. Nous bénissons ton nom dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons dit Amen et je vous dis à très bientôt.